ça fait des mois qu'on en parle presque tous les jours. Dans quelques minutes, il va enfin faire ses débuts et on a hâte de voir ça. Hello à tous, c'est quel plaisir de vous retrouver au Goodison Park. Et oui, nous sommes à Liverpool. Ici Benjamin Da Silva et j'ai donc à côté de moi le poète Omar Da Fonseca. Face au foot anglais et à ce match de Première Ligue, Everton contre West Ham. Le football ne s'arrête jamais et nous non plus. J'ai hâte de voir ce que nous réserve cette rencontre. Ah, une bonne nouvelle. On va revoir notre chef du Sud. Et quel bel homme. Perret. T'as vu, Mallory, là, a obtenu sa première étoile. Oui. Et ouais, il a été élu meilleur jeune cuisinier. Ouais, ouais. Ah ouais. Franchement, ouais, en plus, c'est un bon gars. Ben, même avec ce best, tu sais, il est dur, mais derrière, c'est un ange. Hein. Tout ça avec cartonné, leur friterie éphémère, là. Moi, je préfère autant qu'ils travaillent en France avec pour la télé, hein, sur des émissions bien, que faire des biais trucs sur la RTB. C'est vrai, hein. Sur la RTB, il n'y a jamais eu du truc de cuisine qui a marché. Hein. C'est parti, avec le coup d'envoi. C'est vrai, je me rappelle pas en tout cas. À part Gérard Watley et Adrien de Viveur que je regardais de temps en temps, parce qu'ils étaient plus marrants qu'autre chose. Peut-être qu'un jour il sera chef, hein, ou qui aura l'épreuve de la frite dans Top Chef, hein, et qui sera le juge. Allez, il y a l'angle pour tirer. Je ne sais pas. Allez, le bon réflexe là. Abdoulaye Doucouré. Il a un bel avenir en tout cas. Allons pour Boyce Keane. Ah, le gardien se couche bien au sol sur l'intervention. Moi je le vois bien plus tard. Avec... Parce qu'il y a déjà une candidate de la saison 1 qui a une épreuve à elle. Ouais. La toute grosse là. Et pourquoi pas l'épreuve de la frite parfaite? En une frite, tu dois le convaincre. Et les variétés de frites, tu vois, au paprika. Ouais, il pourrait faire ça. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Aïe aïe aïe, la mauvaise relance, et du coup attention derrière. Ou le match jury de dernière chance, ou... parfaitement conservé. Pour pas qu'il y ait de triche. L'arbitre a vu la faute. Et depuis le temps qu'on en parle, c'est enfin le moment. Voilà le premier match sous ces nouvelles couleurs. L'équipe avait besoin d'un peu plus de contrôle et des pauses au milieu j'ai du terrain. Bon son arrivée va faire du bien sur ce plan. Ouais. Et attention à la faute, c'est parce que ça donne un excellent coup franc pour l'adversaire. C'est très intéressant. Le point gaucher. Diaby. Et Moussa. Et ce coup franc atterrit dans les gants, c'est sans difficulté pour le gardien. Et la possession change de camp. À la réception, c'est Souček. En excellente position pour tirer. Et voilà! Et qu'est-ce qui se passe? Déjà le premier but! Quelques minutes de jeu! C'est beau! Et c'est bon!
C'est reparti dans cette rencontre. Everton est mené d'un but. Keane. Ah, le ballon circule très bien en attendant la faille. Il y a un coup de sifflet, c'est un hors-jeu. Zouma. Ah, le forcing pour récupérer le ballon. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et une passe dangereuse, mais trajectoire bien coupée. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Ah, le bloc est reculé pour inviter l'adversaire à laisser des espaces. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc. Ah, le ballon est parfaitement maîtrisé sur ce coup franc. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Oscar avec le ballon. Ça continue avec Rice. Et ça joue sur Rice à nouveau. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Le ballon change de camp. C'est un ballon vers Oscar. C'est contré sans problème. Et voilà une bonne récupération là. Ouais, il y a faute bien sûr. Coup franc accordé par l'arbitre. Et c'est confirmé, c'est donc Arsenal qui met la main sur ce nouvel élément. C'est l'occasion d'apporter un peu plus de qualité à cette équipe. C'est un très bon choix de leur part. Souček à la réception. Aïe aïe aïe, rien de positif finalement là-dessus. Declan Rice, ballon perdu, c'est rendu même. Bonne vision là avec cette passe. Ah, et le gardien renvoie, mais ce n'est pas terminé. Oh, c'est dedans. Le ballon relâché et derrière ça ne pardonne pas. Goal. On fait pas la vaisselle aujourd'hui. Il est en train de On dit toujours, le buteur a été opportuniste. Oui, mais il faut penser là, anticiper sur ce qui pouvait arriver, avoir deux ou trois coups d'avance. Le but a l'air facile parce que le ballon est repoussé au deuxième poteau. Mais il fallait se trouver là. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Avec Moussa Diaby maintenant. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Et le contre est possible maintenant. La passe par-dessus, c'est dangereux ça. Ah, c'est bien lui, sa bonne interception. Abdoulaye Doucouré. Ballon pour Moïse Kean. Récupération du ballon.
Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Moiskin. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Place à la deuxième mi-temps dans ce match très équilibré. Les deux équipes semblent se surveiller l'une l'autre. Et au tableau d'affichage, c'est toujours le score de parité. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Alors prochainement, après ce match, nous nous retrouverons pour un rendez-vous de Premier League, Everton à Arsenal. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Sur le côté, David Neres, il a un petit peu de liberté. Il prend sa chance et le ballon finit sa course dans les bras du gardien. Everton qui tente de porter le danger. Et ici l'occasion pour mener. Et oh, la bonne parade du gardien. Rugissement des tribunes avant ce corner. Peut-être l'occasion de prendre l'avantage sur cette action. Le corner bien tiré, l'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Arrêt tranquille pour Areola. Dele Alli. Bonne progression dans le camp adverse. Allons pour Doucouré. Et notez-le, on se retrouvera pour un match de Première Ligue à vivre ensemble, bien sûr. West Ham affrontera Crystal Palace. Effectivement, j'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Pour n'importe quel fan de football, c'est une opposition très intéressante. La possession qui est en faveur d'Everton depuis une quinzaine de minutes, c'est clairement le signe qu'il y a du rythme, de la lucidité dans leur jeu. Tous les ingrédients pour pouvoir prendre l'avantage. Oui, mais regardez, il va falloir se mettre aussi à défendre, là. Le ballon pour Declan Rice. L'intention était bonne, placer le tir, mais c'est totalement raté. En plus, à cette distance, la pelote, comment on peut rater à...
Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Dele Alli. La bonne présence au contact, le ballon est bien repris. Everton avec le ballon pour tenter quelque chose. Ouais, la parade. Allez, changement donc. Le corner. Et non, le corner ne donne rien finalement. Attention à cette passe. Oui, très bon timing sur cette passe. Et le ballon vient buter sur le gardien, très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Corner. Et ce corner est dégagé par la défense. Oscar avec le ballon. Le centre ne donne rien, intercepté sans problème. L'arbitre siffle la faute, ça donne donc un coup franc. Ouais, bien joué le centre parce qu'il y a des possibilités au deuxième poteau. Et c'est capté, là, sans trop de problèmes. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Et Maria, c'est pas sur la bonne. Hein. Pour prendre l'avantage, peut-être. Mais oui. Et voilà, but. Quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Un but extrêmement important, il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer, le suspense est garanti. Eh oui, la bonne passe en profondeur. Ballon pour Cornet. Excellente défense dans la surface. Everton qui tente de porter le danger. Allez là, pourquoi pas frapper. Et un arrêt extrêmement important car il leur donne encore le droit de rêver. Et ce n'est pas encore fini, l'égalisation est encore possible. Arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement. Un corner qui est bien ajusté. Voilà, c'est mal dégagé ça, attention. Oh, la frappe. Frappe non cadrée, le gardien n'a pas été inquiété. Il a très bien lu la trajectoire. Sort. Toute l'équipe y croit, la dernière chance peut-être pour essayer d'égaliser. Et le tir, attention! C'était l'occasion de la dernière chance. Malheureusement pour cette équipe, l'égalisation est ratée. Et là, vu le chrono, on peut dire que c'est finito. Allez, les minutes défilent et plutôt que de balancer, les voilà évidemment qui gardent le ballon dans leur moitié.
moitié de terrain. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. La possession qui est en faveur d'Everton depuis une quinzaine de minutes. Et s'il creuse l'écart maintenant, on peut considérer que le match est déjà terminé. Ah oui, mais regardez, il faut rester vigilant là. Et le gardien avait bien anticipé ce ballon en profondeur. Le quatrième arbitre lève son panneau lumineux. 3 minutes supplémentaires au minimum. Et ça joue avec David Neres. Et la frappe, ça part bien. Oui, c'est bien de se créer des situations intéressantes, mais c'est manqué. Du coup, toujours cette petite avance au tableau d'affichage. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Et oui, le tir et la bonne parade du gardien. Et vu le peu de temps restant, un but sur ce corner, c'est la victoire quasi assurée. Le coup de sifflet final.